trois jours. Oh la dure loi de la nature, on me rappelle minute après minute qu'on choisit pas son heure de fermeture. C'est comme ça, même la science n'y peut rien. Connerie de tout, c'est que la pièce touche à sa fin. Et l'inconnu fait peur, on sait pas quand on part. La vie est si violente qu'elle nous glace la mémoire. Il est toujours dur de perdre un être cher. Les souvenirs sont là, mais laissent un goût amer. L'odeur de la mort nous fait prendre conscience des périples de la vie. Quand je la côtoie, je n'ai qu'une envie. Apaiser mes relations humaines, ne plus dégainer, canaliser ma haine. Donner plutôt que recevoir, la mort est souvent noire, la vie est si fragile. Pourquoi perdre son temps à des prises de tête inutiles? Quand on voit qu'à tout moment, des gens autour de nous sont frappés par le souffle du temps. Depuis des millénaires, nous redevenons poussière. Certains meurent de vieillesse, d'autres sont frappés par l'éclair. Et nous vivons que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons que subir les décisions de cette vie. Une larme coule sur la joue, mais l'œil est toujours clair. Le temps d'une prière. Seul écrire ces quelques vers, ils feront pour moi office de prière.